Académie d'agriculture de France, médaille d'or 2018, son Excellence le Président Macky Sall. L'acte est inédit. C'est en effet la première fois que le bureau de l'Académie d'agriculture de France se déplace à l'étranger pour honorer une autorité. Cette médaille, dont l'attribution a été décidée par la commission académique sur la proposition du bureau de l'Académie, est une distinction destinée à reconnaître l'originalité et la qualité de l'ensemble d'une œuvre couronnant une carrière. Le président Macky Sall est le premier Africain à recevoir cette prestigieuse distinction qui sanctionne les performances de l'agriculture sous son magistère. Si l'agriculture sénégalaise a réussi une telle prouesse, c'est parce qu'il y a eu auparavant une vision claire et une volonté politique affichée d'un homme dont l'engagement et la ferme détermination en faveur des populations rurales doivent être soulignés, et qui a fait de ce secteur une haute priorité dans le processus de développement économique et social du Sénégal, tel que défini par le plan Sénégal émergent. La visite que nous avons effectuée sur le terrain au cours des derniers jours, en compagnie de notre confrère Pape Seck, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, nous ont convaincus de la pertinence des projets qu'il a initiés et qui sont mis en œuvre par l'intermédiaire de l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole. Le triomphe modeste, le président de la République s'est dit très sensible au geste de la plus ancienne académie du monde. Je suis d'autant plus sensible à votre geste que j'ai conscience de ce que représente l'Académie d'agriculture de France, vieille institution de référence mondiale, héritière de la Société d'agriculture de la Généralité de Paris, fondée en 1761. C'est donc en toute humilité que je reçois cette haute distinction. Je vous en remercie. Aussi voudrais-je vous exprimer mon appréciation, car au-delà de ma personne, vous faites honneur à tous les acteurs de l'agriculture ici présents et ceux qu'ils représentent. Je voudrais en leur nom vous dire également un grand merci. Je pense en particulier aux producteurs de la petite agriculture familiale, à la grande agro-industrie. C'est à eux que je dédie cette médaille d'or. Et je me réjouis que par cette distinction, votre prestigieuse académie porte un témoignage scientifique à la politique agricole du Sénégal depuis mon accession à la magistrature suprême. Si l'agriculture est à ce niveau de performance, c'est que la vision et la conviction sont fortes. C'est que pour un pays en quête d'émergence comme le nôtre, l'agriculture doit rester au cœur de l'économie et au cœur des politiques de développement. Ce n'est pas une option, mais un impératif de souveraineté alimentaire, d'indépendance économique et simplement de dignité nationale. Un peuple libre est d'abord un peuple qui se nourrit par lui-même. Et un Sénégal qui se veut émergent ne peut se résoudre à importer l'essentiel de ses produits alimentaires et encore moins dépendre de l'aide alimentaire. Voilà pourquoi l'agriculture tient une place prépondérante dans l'axe 1 du plan Sénégal émergent visant la transformation structurelle de l'économie par une meilleure valorisation de nos bases productives. La médaille ne tombe donc pas du ciel, c'est le résultat d'un progrès réel. Seulement, le président de la République est conscient des défis. C'est pourquoi la nouvelle démarche est faite d'anticipation et d'adaptation. En remerciant les académiciens, le président Macky Sall souhaite que le cérémonial soit le point de départ d'une collaboration renforcée entre l'Académie d'agriculture de France et la République du Sénégal.